L'enfant d'éléphant resta assis là pendant 3 jours. Mais son nez ne raccourcit absolument pas. Et en plus, il le faisait loucher. Car il faut bien voir et comprendre, mon bien bien-aimé, que le crocodile, en étirant son nez, l'avait bel et bien transformé en une vraie de vraie trompe d'éléphant, telle qu'en ont aujourd'hui tous les éléphants. Au soir du 3e jour, une mouche se posa sur son épaule et le piqua. Sans même y réfléchir, il leva bien haut le bout de sa trompe et écrasa la mouche. Plaf ! Observation numéro 1, déclara le serpent Biton bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec juste un petit nez bruni bouffi. À présent, essaie de te restaurer un peu. Sans même y réfléchir, l'enfant d'éléphant déroula sa trompe et arracha un bon tas d'herbes fraîches, la secoua contre ses pattes de devant pour en chasser la poussière et l'engouffra dans sa bouche. Observation numéro 2. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec juste un petit nez bruni bouffi. À présent, ne trouves-tu pas que le soleil tape très fort ici ? Ça, c'est vrai. Sans même y réfléchir, l'enfant d'éléphant ramassa une grosse masse de vase grasse sur la rive verte et fertile de la vieille rivière Limpopo et se l'appliqua sur la tête. Plouch ! Ce qui lui composa une casquette de bouillasse gluante, collante et rafraîchissante qui dégoulinait derrière les oreilles. Observation numéro 3. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec juste un petit nez bruni bouffi. À présent, que dirais-tu de te faire à nouveau un peu taper ? Je t'excuse, mais je crois que ça ne me plairait pas du tout. Et est-ce que ça te plairait de taper quelqu'un ? Ça, je crois que ça me plairait vraiment beaucoup. Eh bien, sache que cette nouvelle trompe te sera très utile pour taper les autres. Oh merci, je m'en souviendrai. D'ailleurs, je vais rentrer tout de suite à la maison et l'essayer avec ma chère petite famille. Ainsi, l'enfant d'éléphant rentra chez lui, retraversant l'Afrique en gambadant et en agitant sa trompe. Quand il voulait manger des fruits, il en cueillait dans l'arbre, au lieu d'attendre qu'il tombe comme avant. Quand il avait envie d'un peu d'herbe, il l'attrapait par terre au lieu de s'agenouiller comme avant. Quand les mouches le piquaient, il arrachait une branche et s'en faisait un chasse-mouche. Et quand le soleil tapait trop fort, il se confectionnait une casquette de bouillasse gluante, collante et rafraîchissante. Quand il se sentait un peu seul dans sa marche à travers l'Afrique, il se chantait une petite chanson qui résonnait à travers sa trompe et ça sonnait plus fort que plusieurs fanfares.